et bienvenue à la toute nouvelle émission Incroyable Mutant! Un show de talent hors du commun où des gens tout à fait ordinaires viendront présenter leurs capacités incroyables à notre panel de juges composé de moi-même, Julie Robidoux, et du grand spécialiste du paranormal, Professeur Zarbi. Bonsoir! Ainsi qu'à son assistant, Benjamin. Allô? Ce soir, nous avons pour vous des candidats absolument incroyables! Croyez-moi, ça va être une émission à tout casser! Merci beaucoup, beaucoup, professeur, d'avoir accepté de participer au pilote de mon émission. Votre présence me donne beaucoup, beaucoup de crédibilité. Tout le plaisir est pour moi, ma chère Julie. N'hésitez surtout pas à être honnête et à dire ce que vous pensez vraiment des candidats. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on va pouvoir commencer. Tout le monde est prêt? Qu'on fasse entrer le premier candidat! Salut! Comment tu t'appelles? Allô? Moi, c'est Steve de Shawinigan. Moi, j'suis un homme aimant, mais pas aimant dans le sens que je donne beaucoup d'amour, là. C'est plus aimant dans le sens que je peux coller des quilles sur mon chest. Wow! Un homme aimant! Ben, vas-y, mon petit mutant, montre-nous ce que tu sais faire. Oh non! Karine Devine! Wow! 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 Quelle performance! Tu dégageais un magnétisme extraordinaire! J'ai jamais rien vu de pareil! Chapeau! Chapeau, mon petit gros! Chapeau! Ah ben merci! Ben, c'est pratique comme pouvoir, hein? Avec ça, t'es toujours prêt pour manger de la soupe! Manger de la soupe! Allez, tu cute! Je me demande bien si vous avez vraiment un pouvoir, jeune homme, ou juste la peau moite. Ah non! J'ai pas la peau moite, moi, là. Je suis un peu plus qu'un monde ordinaire, là, mais c'est évident, c'est un homme aimant. Non? Bonjour! Je m'appelle Bruno, puis je viens de Boucherville. Moi, quand j'étais petit, ma mère elle m'a amené à l'usine à savon où mon père travaille. Puis moi, je suis tombé dans un gros cube de savon à vaisselle. Et depuis ce temps-là, ben, je suis capable de faire ça. Oh! Wow! Alors, c'est pas tout, là. C'est pas tout. Moi, je peux en faire avec tous mes orifices. Wow! Ah ben, j'aime mon voyage. Regardez ça. Ah? Oh oh! Salut, moi c'est Carl de Saguenay, pis j'ai un pouvoir de métamorphose. Ah oui! Intéressant, intéressant! Attention! Ah! Wow! Super! Hey, bravo! Bravo! Incroyable! Mes yeux ne croient pas leurs oreilles, puis mes jambes en ont le souffle coupé! Wow! Wow! Et re-wow! C'est pas pire, hein? Très spectaculaire, effectivement! Mais pouvez-vous vous métamorphoser en autre chose? Ben ouais! Ben, c'est un peu la même chose, non? Ben non, c'était un lazy boy karaté. Tantôt, c'était un lazy boy brun. Je peux vous en faire un bleu marine, si vous voulez, hein. Il est pas mal beau, mon bleu marine. Non, 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 non! Pouvez-vous vous métamorphoser en autre chose qu'un lazy boy? Ben non, pourquoi ça faire? Oh, ils sont super beaux, mes lazy boys.
Bonjour, je m'appelle Martin. Puis moi, c'est Mario, puis je joue du banjo! Wow, ta tétine parle! L'année passée, je me suis endormi la face dans mon baril de poulet frit. Puis quand je me suis réveillé, ben j'avais une tétine qui parlait. OK. Et qu'est-ce que vous savez faire? Ben, on est devenu un band. La tétine blues band. Oh, wow! Ah, ça, c'est un bon nom. Ça va rester, ça. Ça va rester. Tétine blues band, on vous écoute. 3, 4. C'est quand on touche le fond du baril qu'on trouve parfois tout un ami pour la vie. Tu étais si près de moi que je ne te voyais pas, et maintenant jamais on se quittera. Oh, tu verras, parlons. Depuis que tu es dans ma vie, tu as chassé tous mes soucis. Oh, tu verras. Je suis désolé, mais on n'est pas dans un show de chansons. On cherche des gens avec des pouvoirs extraordinaires. Et de toute façon, même si on était dans un show de chansons, ben votre chanson est la pire chanson que j'ai jamais entendue de ma vie! Moi, j'ai trouvé ça pas si pire. Ah, t'es trop dur, t'es méchant. Écoute, Martin, là. Moi, je trouve ta voix chaude et mélancolique, comme un grilled cheese. Puis ton intensité, là, me donne un grand frisson. Un peu comme quand je te tombe assis sur un popsicle l'été passé. Toi, Benjamin, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est un petit peu pourri, j'en conviens, mais à part les paroles, la musique puis la voix, c'était pas si pire. Quoi? Vous trouvez qu'on est pourri? Non, Mario, ils font des blagues, reste calme. Je suis vraiment désolé, mais quand ma tétine, ça fâche, ben, je perds un petit peu le contrôle. À votre place, je me sauverai. Calmez-vous, là. Votre chanson était pas si mal, là. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup d'émotions dans votre chanson. C'est fort. Comme l'odeur des chaussettes de mon mari. Ça suffit, jeune homme! Tu ne peux quand même pas tout saccager juste parce qu'on n'a pas aimé ta chanson! N'était-ce pas bonne, ma chanson? Reculez! La petite vieille qui marchait! Oh non! J'ai pas mal de pain avec des cuillères à soupe! Peux que faire quelque chose plus vite! Vraiment désolé. Bravo! 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 Quel spectacle, mesdames et messieurs! Quel spectacle! Ah, c'était beau, c'était fort.
C'est à doux comme du poil d'ameno. Maintenant, je vais vous demander de tout à faire la même chose à l'intérieur sur la scène pour qu'on puisse tout le filmer, tu sais. Oh, come on! On va pas rechanter sa toune de marde. Hey, c'est assez pénible une fois. Ah non, 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 non! Toune de marde!